Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom intergalactique. Je suis avec The One and Only Nicolas Parent. Nicolas, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Bah, il va très bien. Va très Merci bien, Pierre. ouais. Et toi-même? Eh ben écoute, moi ça va très bien, surtout quand je peux comme ça accueillir un super guitariste ici. Ça fait un moment qu'on s'est croisé quelques fois. Je pense que la première fois c'était. Tu m'avais envoyé ton disque et on s'était vu à plutôt première édition 2017, n'est-il pas? C'est ça, ouais, il y a 2 ans du Ouais. coup. Et j'avais dû t'envoyer mon précédent disque Ouais. aussi avant, et puis je te l'avais redonné, et puis on avait reparlé, et puis on devait D'accord. se voir au mois de juin, Ouais. et la vie a fait qu'on s'est pas Voilà. vu parce que j'ai eu un petit problème de poignet. Petit problème de poignet pour un guitariste, franchement, tu fais un peu chochotte, quoi. Voilà, donc Hein. je me suis cassé le poignet, donc j'ai eu quand même 3 mois de bah, que de main droite en fait, donc c'était D'accord. un peu la loose, mais voilà, ça va mieux et je suis prêt pour D'accord. faire plein de choses. Et on en réchappe facilement. Enfin, t'as fait moult kiné, c'est douloureux tout ça, parce que ça doit être un peu flippant quand tu comme ça, tu te casses le poignet, quoi. Ouais, bah moi ça va, j'ai eu une fracture quand même pas déplacée déjà, donc Ouais. ça s'est remis tout seul. Et puis en fait, la kiné, ouais, mais surtout la guitare, en fait, c'est de la très bonne kiné, en fait. Du coup, D'accord. Ok. ça va 2 fois plus Remboursé vite. par la sécu alors? Non, Non. non, c'est pas remboursé par la sécu, mais du coup, ma kiné me disait que j'allais beaucoup plus vite parce que du coup, bah, quand tu fais de la guitare, tu fais tout travailler et c'est vachement bien, quoi. D'accord, Du ok. coup, j'ai récupéré plus vite qu'un non-guitariste. Bon, eh Donc. ben écoute, tant mieux. Traditionnelle question d'introduction, quelle était ta première guitare, Nicolas? Alors, ma première guitare, j'ai eu pendant un an à peu près une guitare de location, une Ok. Yamaha avec un ampli de location. Donc électrique direct? Ouais, une Ouais. électrique directe, ouais. Et puis du coup, après, j'ai eu une Phoenix. Phoenix, une marque bien connue Ouais. d'Arizona. C'est Phoenix avec un F, en plus je Ouais, suis c'est sûr, c'est ça. Phoenix avec un F. Donc c'était une copie de Gibson, Ouais. Sunburst. Puis j'avais fait des flammes au Stabilo noir, histoire de la customiser un petit peu. Génial. Voilà. Voilà pour mes premières guitares. D'accord. Et ça a été quoi l'inspiration initiale qui t'a donné envie de faire de la guitare? Bah surtout les guitaristes électriques de l'époque, c'était un peu les Guns, Slash, toute cette mouvance-là, Metallica, voilà. Puis l'instrument Matt.